Toi, t'as fait combien de temps de manche J'ai fait 22 ans. 22 ans. 22 ans. C'est énorme, c'est tout simplement inadmissible. Toi, aujourd'hui, si t'aurais un message à faire passer, ça serait quoi exactement? J'aimerais qu'on s'occupe plus de nous, enfin, que les gens de Barlu s'en sortent. Remarquer, c'est que le fait que tu mettes un déguisement, ben que les gens tout simplement te regardent en fait. Voilà. C'est triste en fait de devoir porter un costume, un uniforme pour qu'on soit accepté, pour que les gens puissent nous regarder. Toi, tu me disais qu'à chaque fois que tu viens faire la manche, quasiment personne qui te calcule en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas même qui me calcule. Aujourd'hui, ça fait 2 heures que je suis ici et j'ai gagné que 6 euros. T'as gagné que 6 euros aujourd'hui? Voilà, 6 euros. Et au-delà de ça, c'est que les gens ne te disent même pas bonjour en fait. C'est plus comme avant. C'est voilà. Plus comme avant. Elle a fait énormément de recherches pour retrouver Thierry, c'est ça? Thierry, c'est ça, oui. On a appelé à Montfavé plusieurs fois. Mon fils Ludovic a été sur Avignon pour essayer de faire des recherches et on ne l'a jamais retrouvé. Donc, c'est quand j'ai vu cette vidéo qui est sortie à Pocandy que j'ai reconnu mon frère. On est parti là récupérer la... Non. Ouais, ouais, t'as pris des cours, c'est tout. Ils lui ont enlevé le chien, du coup... Ouais. Je travaille, il est gentil, mais le pire c'est que lui aussi il donne aux enfants. Merci, thank you very much. God bless you. Merci, merci. Du coup Thierry, franchement, c'était exceptionnel. Oui, je suis content de cette vidéo parce que là, ça m'a touché. Ouais, j'ai vu que c'était, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi et tout. Non, franchement, c'était magique. Je te remercie Farid, cette vidéo, je te remercie l'équipe. Matrix et Alexis, du coup. Et Alexis. C'est pas le Thierry qu'on a connu quand il était petit, c'était une autre personne. Donc en tout cas voilà, je sais que c'est pas facile pour sa sœur. Il avait un dernier message, je vous laisse sur ces mots. Un maximum de soutien pour la famille en mémoire de Thierry. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Toi aujourd'hui, si tu aurais un message à faire passer, ça serait quoi exactement? Un peu d'impension. J'aimerais qu'on s'occupe plus de nous. Enfin, que les gens de Barlu s'en sortent. Voilà pourquoi je suis ici. Ça marche. En tout cas, ton message, il sera bien entendu, Thierry. Merci à toi. Merci énormément. Moi, j'ai une chose à dire, c'est qu'en fait, les gens dans la rue, en fait, ils veulent pas d'argent. Simplement de se caler comme ça, comme on le fait, et parler un peu avec eux.
c'est mieux qu'un billet de papier en fait. C'est, je sais pas, enfin, on est tous des êtres humains, on a tous une histoire derrière. À tout moment, ça peut être toi qui regarde la vidéo, qui se retrouve à la rue, t'aurais bien aimé que, qu'elle ait des gens qui ont le cœur, qui s'arrêtent et qui parlent un peu avec toi. Donc espérons que plus de personnes comme nous le feront. Voilà. J'ai rien de choses à dire, il y a des choses qu'on peut pas dire, ça sort du cœur. C'est comme mon bébé. C'est ça. C'est comme mon fils. C'est comme ma fille, je veux dire. Ouais. Parce que c'est une femelle. Elle s'appelle Candy. Et je l'aime. C'est toute ma vie.